Bonjour à tous, c'est de nouveau Christelle. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, vous avez travaillé sur le potage et la compote avec la méthodologie que je vous ai donnée. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la même méthodologie que celle de la semaine dernière. On ne change rien. Par contre, je vais vous montrer qu'en étant organisé, on peut faire deux repas. Et vous aurez également normalement du temps pour pouvoir effectuer le soin ou l'entretien que vous aurez besoin durant l'examen et la préparation équipe professionnelle. Donc, comme la dernière fois, les cheveux attachés, pas de vernis, pas de bijoux. J'ai ma tenue professionnelle, je vais faire ma démarche, donc là je vais aller me laver les mains. Ce qui serait très important, c'est qu'avant de démarrer, vous lisiez bien la recette. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'ils soient préparées en amont. C'est bien d'avoir la recette et de courir dans tous les sens, mais du coup, on ne travaille pas sur l'ergonomie. Donc, il faut vraiment être structuré. Du coup, je me lave les mains. Je fléchis les jambes, je descends, je protège mon dos et je prends un torchon propre. Ça fait partie de avant de démarrer la cuisine, si vous vous souvenez de la thématique que je vous avais donnée. Je fléchis, désinfecter mon plan de travail. Normalement, un pulvérisateur serait bien, puisque du coup, le bouchon ne doit pas toucher le haut du produit. Je détourne mon plan de travail. Avant de démarrer ma technique culinaire. Voilà. Et je referme, puisque faut faire attention, l'ergonomie et la sécurité, faire attention aux portes et aux tiroirs qui soient toujours très bien fermés. Je vais préparer mon poisson. Donc aujourd'hui, nous faisons du poisson en papillote. Normalement, il est pour une personne. Moi, j'avoue, j'ai des enfants à nourrir, donc du coup, ce sera pour quatre. Je vais préparer le matériel et on s'installe. Donc, il nous faut du coup le poisson. De l'échalote, première course puisque j'ai quatre poissons, de l'ail, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du citron. Huile d'olive, le citron, nous en avons acheté la semaine dernière pour effectuer la compote de pommes, donc pas de perte sur le filet de citron. On reprend un filet de citron. Je reviens, je vais au cellier chercher les olives. Voilà. Et puis, l'idée du poisson en papillote, c'est de mettre de la couleur. Du coup, des poivrons. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est avant de démarrer la recette, préchauffer le four. Donc, je vais mettre le four à préchauffer. Chauffage. J'ai préparé tout ça, mais il me reste le reste du matériel à préparer. Il nous faut de l'aluminium. Il me
le feu aussi. Et comme à l'habitude, mon plan de travail. Du coup, j'ai bien mon plan salle, mon plan de travail et je vais avoir mon plan propre. Pour pouvoir travailler là tranquillement, il me manque de quoi mettre mes épluchures. Donc, je vais prendre un plat qui va s'en servir. L'idée maintenant, c'est de préparer le poisson en premier. Pourquoi? Parce que le temps que vous allez préparer le poisson et qu'il cuise au four, vous aurez du temps pour le riz qui arrivera derrière après. D'accord? Comme vous le savez, il faut donc du coup laver les légumes avant de les utiliser. Pour gagner du temps, je vais essayer déjà de faire de la place sur mon plan de travail. Donc je vais couper les morceaux nécessaires d'aluminium pour chaque poisson que vous allez faire. Voilà. Ils sont prêts. Ils sont en attente. D'accord? Du coup, je vais travailler mes poivrons en premier. Ils sont quand même un peu gros, donc je vais en prendre que la moitié. Le reste n'est pas perdu, on peut toujours faire une ratatouille avec. Attention avec la ratatouille, je prends des poivrons pour la couleur. Parce que normalement on met des tomates, mais les tomates ne sont pas de saison. Donc du coup, elles n'auront pas la même valeur nutritionnelle. Et du coup, le temps de cuisson sera beaucoup plus long à faire. En voilà un, je rince mon couteau. Je relance mon couteau. Pareil avec le troisième. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, je vais préparer les poissons tout de suite. Je vais les mettre directement dans l'aluminium, comme ça j'aurai juste à mettre directement mes poivrons dessus pour décorer. Voilà, 3, attention que ça ne tombe pas. On va juste le quatrième ici. Sachez que chez une personne que vous vous occupez, un poisson suffit. Hop, je gagne en place. Je vais couper finement maintenant mes poivrons. Parce que plus je les coupe fin, que va-t-il se passer? Plus vite sera la cuisson.
J'espère que ça va toujours et que vous aimez le poisson surtout. Si vous n'aimez pas le poisson, ça ne va pas être pratique. Et je fais poisson surtout car si on l'avait fait à l'appartement pédagogique, sentir le poisson toute la journée pendant qu'on travaille, c'est pas très pratique. Et voilà. Du coup, je travaille bien sur mon plan de travail, comme vous pouvez le constater. Mon couteau étant que sur du propre avec les poivrons, ça ne pose pas de souci de continuer à couper comme ça. Après, à chacun sa technique pour couper les aliments, parce que chacun a une façon de faire aussi différente. Il faut juste respecter cette méthodologie. Ok? Je vais rincer mon couteau. Ce qui s'avère que j'ai aussi mon échalote à éplucher et à rincer derrière après. Je rince de nouveau mon couteau. L'avantage, le nez est derrière. Effiler mon échalote. Je dois aussi faire, et ça il faut en tenir compte chez les gens, vous n'aurez pas toujours beaucoup de place pour faire la cuisine. Donc il faut aussi s'adapter en fonction de l'environnement que vous aurez. L'idée, c'est de compléter une thématique qui est très importante, c'est avoir un repas appétant, un repas qui donne envie. Ce cours-là, vous l'aurez la semaine prochaine. Car si vous donnez un appétit à la personne, elle aura envie de manger derrière après. Là sur tous mes poissons. Je vais faire pareil sur celui-là. L'idée aussi, c'est que le poivron donne du goût au poisson. C'est pour ça que je ne vous mets pas de tomate, puisque la tomate actuellement n'a pas vraiment le goût. Pour l'échalote et du poivron rouge.
me suis lavé les mains, je peux y aller avec les mains. Regardez bien, là j'ai déjà un légume dans mon poisson. Si par exemple vous rajoutez une entrée avec des crudités et si vous rajoutez un fruit en dessert, que va-t-il se passer? Vous allez déjà avoir trois fruits et légumes dans la journée. Je rince mon plan de travail. Des légumes, surtout pensez bien à mettre une assiette en dessous de façon à ce que vous n'ayez pas de l'eau par terre. Donc du coup je vais m'occuper maintenant de mon citron. Je suis toujours au niveau de mon plan de travail, il n'y a pas de souci. Bon, ça. Je verse du coup un petit peu de jus de citron sur tous les poissons. Alors attention, pour une personne, ne mettez pas un citron en entier, hein. Ça va faire vraiment beaucoup. Du coup, je vais saler. Oh, le côté sale. Je vais poivrer. Je vais mettre de l'ail. Sachez que l'ail, c'est soit vous le lavez en émincé comme ça, soit vous pouvez mettre de l'ail frais en fonction de ce que vous avez. Avec le confinement en ce moment, ça reste un petit peu compliqué. Et puis, pour ceux qui aiment, on va y glisser des olives. Donc, nous, ici, il y aura deux personnes avec des olives puisque deux autres n'aiment pas. Faites attention surtout quand vous faites le repas pour les gens, de bien demander leur goût, parce que sinon la nourriture va être perdue. Je vais me laver les mains. Et la recette du poisson papillote est terminée. J'ai plus qu'à envelopper mes poissons et les mettre au four pendant une bonne vingtaine de minutes. Excusez-moi, j'ai oublié l'huile d'olive. Si j'oublie la matière grasse, ça va pas être très bon. Un filet d'huile d'olive sur chaque poisson. Recette, le riz. Donc du coup, avant
démarrer le riz, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on range. Du coup, on va ranger tout le matériel. Aussi que grâce à ça, je me déplace qu'une seule fois à la poubelle, puisque pendant qu'on cuisine en intervention, il est hors de question de faire les allers-retours ou de travailler au-dessus de la poubelle. Donc, j'arrive. J'ai touché la poubelle, je me lave les mains. Tout mon matériel. Connaître la maison, ça a quelques avantages de rapidité d'organisation. Je reviens. Il me reste à faire, il me reste à nettoyer mon plan de travail. Comme tout à l'heure, je détourne ma table et après je la nettoie. C'est possible de faire des S, ça vous permet de plus balayer la surface, comme pour le sol. On verra ça plus tard. Je reviens. Avant de démarrer toute autre chose, l'idée c'est de faire aussi le brin de vaisselle de façon à ce que la vaisselle ne s'emmagasine pas dans les pieds. Et de toute façon, cette vaisselle-là, on va en avoir besoin là juste après. De toute façon. L'autre set. Donc, comme tout à l'heure, on détourne. Pourquoi? Parce que s'il y a des salissures sur le côté, vous risquez de vous salir votre tenue. Tandis que si vous détournez avant, obligatoirement, vous n'aurez pas de salissures sur votre tenue professionnelle. Votre tenue professionnelle, vous l'avez pour la journée, vous en avez vraiment besoin. Hop. Je vais reprendre un torchon propre. L'avantage, tout est sur place. Et du coup, je vais repréparer mon matériel pour la prochaine recette. Et du coup, ce que je vais faire, c'est gagner du temps et déjà préparer mon plan de travail.
changeons un peu. Ça sera mieux. Ok. Pour le riz, cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, je vous fais aussi parvenir les recettes, comme la dernière fois. Du coup, pour le riz, donc, il vous faut du riz. J'ai économisé mes pâtes, je suis allée chercher tout à l'heure. Il nous faut un bouillon de cube. Une échalote encore une fois. Du sel. Du poivre qui s'est caché. De l'huile d'olive. Des feuilles de laurier. Et voilà. Maintenant, en matériel, pour le faire, je vais prendre une casserole. Une sauteuse, ce sera beaucoup plus facile. Donc l'idée c'est de gagner du temps et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il va falloir préparer le bouillon de légumes, faire chauffer le bouillon de légumes avant de commencer le reste. Du coup, un bouillon de légumes. Là, je suis mal organisée, heureusement que la cuisine est petite. Avec 50 cl d'eau. Ça repart sur le sale et je mets du coup mon bouillon en chauffe. L'avantage ici, c'est que j'ai des casseroles. Avec la queue, ce clipsé se déclipse. Et du coup, je peux mettre le bouillon en chauffe tranquillement. Et voilà. Pendant que ça, c'est en train de chauffer, je vais maintenant venir mon échalote côté sale toujours. On peut mettre aussi de l'oignon pour ceux qui préfèrent. C'est après chacun ses goûts. C'est pareil, si vous faites cette recette chez une personne âgée ou une personne accompagnée, pensez surtout à lui demander ses goûts. Ne faites pas en fonction de votre goût à vous. Votre goût à vous ne va pas être obligatoirement son goût à elle. C'est très important. D'accord? Je cisèle. J'en ai pris une plus grosse, pourquoi? Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je cuisine ce matin pour 4. Sachant que le ticket de caisse que je vous fais travailler est le ticket de caisse pour une personne. Comme ça, vous savez exactement à peu près le prix qui revient d'un repas pour une personne, d'une personne âgée ou d'une personne accompagnée. Du coup, je vais prendre de l'huile d'olive, excusez-moi, un filet que je vais mettre dans ma sauteuse. Une fois que ça c'est fait, je prends
mon échalote et je la fais revenir. J'ai tout plein de travail du coup, puisque je vais travailler auprès de la cuisine, la cuisinière. Attention, on met à feu doux. On laisse revenir. En attendant que ça revienne tranquillement, je vais préparer mon riz. Et oui, des fois le matériel, on est obligé de s'en servir. Donc, entre deux, il faut faire un peu pain de vaisselle. Et mon riz. On est 4. On met 400 grammes. On met partout par la même occasion. Ça, c'est à ne pas faire. Je suis désolée. Du coup, je peux reprendre la queue qui est là et je fais dorer tout doucement les échalotes. Toujours en sécurité. Puisque du coup, la queue de la casserole doit toujours être à l'intérieur de la gazinière. Pendant ce temps-là, du coup, je fais revenir et ruisseler mon échalote et mon bouillon est en train de fondre. Ça sent bon. Je vais chercher mon riz que je vais venir mettre dans la sauteuse. Et du coup, je vais le faire tranquillement revenir. Pour qu'il prenne le goût de l'échalote et qu'il caramélise un petit peu. Ce qui va lui donner une jolie couleur à la fin de la cuisson. Entre deux. Dès qu'on l'entend crépiter, petit bout par petit bout, le bouillon. L'idée, c'est de le faire tout doucement, tranquillement. Pendant qu'il cuit tranquillement, vous avez
votre pain. Le poivre. Et voilà. Donc, ma casserole est toujours sur l'intérieur de la cuisinière. Voilà. Jusqu'à ce que le riz absorbe, je ne remets rien. Pendant ce temps, je peux commencer à ranger. Non, mais... Je reviens. À la poubelle. Mon plan de travail parce que j'ai un peu massacré avec le riz ce matin. Je reviens. Je reviens m'occuper de mon riz. Pendant que le riz cuit, je vais aller vérifier quand même mon poisson. La cuisson du riz jusqu'à absorption totale de tout le bouillon. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne cuisine et je vous dis à vos photos, à très bientôt. Au revoir.